C'est bon, ça filme? Ouais. J'aime pas quand tu me mets comme ça près de mon nez là. On voit tous mes points noirs, t'as vu la, non, je suis l'objectif, loin. Ma couille que j'ai acheté, il est tout neuf. Bon alors, on te prend 5 minutes mon ami, parce que cette petite vidéo est très importante. Car là, on commence à sortir des vidéos de qualité, comme je l'ai dit il y a pas longtemps. Et il y a un truc important, c'est qu'il faut que tu regardes ce que je suis en train de te dire jusqu'au bout. Il faut absolument que tu t'abonnes, parce que ça va faire continuer l'aventure. On va pouvoir continuer à faire d'autres vidéos, parce qu'il va arriver un moment, il va falloir rentrer un petit peu d'argent et rentabiliser l'appareil que mon petit 16 est en train de tenir. Voilà, donc ton pas va pas le casser. Donc là, la vidéo, mon pote, tu regardes jusqu'au bout. Tu mets un petit pouce, je peux t'assurer qu'elle va envoyer du steak parce que tout à l'heure je l'ai regardé, j'ai pris une droite directe, je peux t'assurer que ça envoie du lourd. Donc bon visionnage et je te dis à tout à l'heure. Ça y est, faut y aller. Bon, bougez pas, j'ai une idée. Oh, ta gueule. Bon, on a monté l'échafaudage, on a poncé les côtés. Là, on va finir de poncer tout le devant du 4x4 là. Et comme on va lui faire un gros laboiserie sur le, tu vois, en blanc sur le côté. Donc après, ce soir, on va essayer de peindre tout ça pour que, comme on fait ça dehors, en espérant que le temps se gâte pas. Comme ça, demain, on va pouvoir cacher, reponcer le contour et puis faire un petit peu d'aérographe devant là. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti. Thank you.
il est 20h30, on a fini de poncer, on avait quelques petits trous à boucher là parce que t'avais les marquages F250, tout le merdier là, et puis il y avait quelques trucs un petit peu piqués de rouille, tu vois. Donc là on a tout fini de poncer, on va faire un coup de blanc et puis on va faire aussi des formes là, on va commencer à faire les formes là sur les ailes et le capot pour pouvoir faire des flammes et puis après ça sera bon pour aujourd'hui. Allez. Deuxième jour, là on a fait le blanc hier, donc là on va pouvoir cacher, faire le logo la boiserie sur les côtés, et puis du coup on a fait les formes pour pouvoir attaquer les flammes à l'aérographe. Donc là il y a un petit peu de boulot, le temps a l'air correct, c'est parti. Voilà mon vieux, on va attendre que ça se calme un peu parce que là on a l'abri en dessous là pour faire un peu d'aérographe, mais les côtés c'est chaud là. Ah ouais, donc tu commences comme ça. Je pensais qu'il y avait des traits vraiment définis au départ. Ah, c'est après que tu les fais. Ah yes. Ah putain, ça déboîte. Oh, ça va être énorme. Et que ça va être une autre prise le truc. Oh, ah, trop bien. Elles sont trop belles les flammes. J'avais pas vu. Et puis vernis en fait, ça change tellement tout. Hein, et puis là t'es pas prêt avec le Raptor. La délimitation, ça va être. Ah ouais, la délimitation elle va être vraiment franche. Ah bah, oh. Net, ça va être. Ça va être net, 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 net. Je suis dans une chatte. Que plein de merde. Non mais sérieux, putain. Et du coup le Ford on le fait comment? De quelle forme? Au cul. T'es un Ford moitié enfoncé, ouais, avec la carrosserie. Tu fais une autre couleur ou... Bah, je sais pas. Non, ou tout noir. Bah, on peut faire tout propre. Noir, hein. Ouais, bien sûr. Tout... Je te fais tout full black. Il va y avoir le logo sur les côtés en blanc. Ouais. Ça va péter. Hein. Ah putain, mortel. Ouais, on remet pas le Ford F250, tu mets juste ton logo. Voilà. Ça fait stylé ça. Mmh. Ouais, je pense que c'est bien. Comme ça au moins on le voit bien, tu vois. Ouais. Oh là là. Oh, ça va être fou. Surtout que là, on se rend pas compte. Mais moi je sais ce que ça va donner. Bah oui, parce que t'es habitué, mais moi je suis pas habitué. Avec le gros logo boiserie, les flammes et tout. Oh là 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 là. Oh le dessin dans les flammes, t'as vu maman? Ouais, c'est mortel. C'est une dinguerie hein. Ouais. Plus les jantes qui vont être noires. Ouais, vont être noires. Bah ouais. Oh, ça va être mortel. T'as vu qu'il te manque des boulons? Oui, il m'en manque un, j'ai vu. Mais bon, sur la totalité, je me suis dit bon. Ouais, ça va. Oh, ça va être incroyable. Ouais, je suis pas mal. Je suis trop pressé.
Ouais. Bon, je vais essayer de pas faire trop trop bien parce que je pense qu'après je vais en acheter un. Je vais essayer de le faire mieux quand même. Non mais hey, mon gars, tu sais là le jour où je suis riche, mon gars, je m'en achète un. Bah déjà le jour où je suis riche, j'en achète un. Déjà, mais je t'en achète deux. Comme ça tu filmes là, t'enregistres bien. Non, le jour où vraiment tu sais genre 50 000 balles, c'est vraiment ouais. Tu te dis vas-y, je me fais kiffer mec, ouais. Tu vois, paf, je me prends pas une Philippe Patek. Ouais. Je me prends un putain de monster truck. Ouais. Et bah, je m'en ferai un, mais genre avec un Dodge Ram tout récent. Ouais, tout neuf dessus. T'imagines ? C'est grave. Un putain de Dodge Ram tout récent, mmh. Avec des énormes pneus. C'est-à-dire que le truc, tu peux te balader là, ouais. Palette au volant, le confort, la clim, la musique et tout. Ouais, je suis sûr que chez les Ricains, ça va se faire. Mais ils le font ! Ouais. Mais ils le font, les Ricains, putain, on est des bouffons, nous, à côté quoi. On peut rien faire. On est tous avec des balais dans le cul. Ah bah non, vous vous rendez compte, la largeur des roues. Ta gueule ! Contrôle technique, tiens ! La carte grise, tiens, l'assurance, tiens. Bon, après, si t'as une couille, t'assumes. Ouais, mais putain, génial. Bon, allez. Bientôt la suite. Aujourd'hui on a bien charbonné, donc là c'est parti, là on va aller se laver et puis on va aller se faire après un petit resto avec Lucien et toute la bande d'ailleurs sur Angers et puis après on va sûrement se faire un petit lancer de hache chez nos amis American Fury. Allez, c'est parti. Échafaudage, on va pétarader. On va faire d'abord tous les contours. De toute façon, vous allez suivre ça sur la suite de la vidéo. On va faire tous les contours, les intérieurs de porte, etc. Au fin, raptor fin. Et après, on fait une bonne première passe bien épaisse. Deuxième passe avec les temps de séchage. Et après, on essaye de faire un grain assez agressif. Je vous laisse suivre. We'll be right back.
a fini le Raptor. On a fait 4 grosses couches et puis on a fait une cinquième un peu plus loin, tu vois, pour avoir un grain bien homogène. On a fait un gros grain bien sévère. Lulu, tout à l'heure, il l'a vu, tu vois. Donc, il a vu, mais c'était pas fini. Là, on a fini. Bon, il va sortir, de toute façon, il va la voir. Mais du coup, on va décacher demain pour lui faire la surprise. On va retirer les flammes, là. Et comme il va être en train de travailler, on l'appellera quand il sera entièrement décaché. Je pense que l'effet de surprise va être royal. Allez, à demain. Ma couille, tes cheveux ils bougent pas, ça raconte. Vas-y, viens là, là, y a plus de batterie là. Il est con ou quoi? Attends. Voilà, bien dégradé là comme ça. Voilà. Ça, c'est une bombe pour le plan. Et là, vas-y, frotte.